Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société qui vous offre aujourd'hui un autre déballage. Non, évidemment, ce ne sera pas le déballage du jeu de base de Dice Hospital, mais je voulais quand même vous présenter la boîte. Ce jeu-là est un magnifique petit jeu, très cool, très fun et je vous dirais excessivement bien fait. J'ai fait une partie d'ailleurs de Dice Hospital avec mon ami Stéphane. On a fait cette partie-là il y a plusieurs années et puis j'ai eu la chance de la regarder il n'y a pas tellement longtemps justement en recevant l'extension. Je me suis réintéressé au jeu et c'est un beau petit jeu, le fun, qui est bien pensé avec le système des dés, les dés qui représentent dans le fond la force des dés représente la santé de nos patients puis les différents bâtiments que l'on peut activer pour améliorer les patients. Il y avait juste un aspect qui était un peu raté, je pense, dans ce jeu-là, et c'était le mode solo, qui était un mode correct, là, mais sans plus. Alors aujourd'hui, je vous présente, dans le fond, l'extension Dice Hospital Community Care. C'est rare que je fais des présentations d'extensions en déballage à tout le moins, parce que souvent je fais juste l'insérer dans mon jeu et si je vous le représente, je le fais. Mais celui-là, premièrement, la boîte, je peux juste vous dire que l'extension est plus lourde que le jeu de base. Okay? Donc, et c'est une extension qui nous offre quand même une grande quantité de modules. Et là, je dois vous avouer aussi que je viens de me rendre compte que j'avais l'édition Kickstarter. Je pense que je l'ai pris. Là, j'avais le choix de prendre l'édition en magasin puis où je l'ai acheté. Il restait des éditions Kickstarter, fait que je les ai pris. On a The City Expansion, l'extension de la maternité, l'extension des investissements et surtout, on a un solo Automa. Et ça, je dois vous avouer que c'est très très intéressant et j'ai très très hâte de voir ça. Fait que je vais enlever la petite pellicule de plastique puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette très grosse extension de cet excellent jeu qui est Dice Hospital. Ok, donc on voit que j'ai le Kickstarter exclusive qui a aussi de Helicopter Miniature 5 Player Expansion puis Base Game Upgrade. Ben, déjà ça, le Base Game Upgrade, je vais vous avouer que je suis intrigué de voir c'est quoi. Ok, bon, alors on a un petit, toujours une petite publicité de la compagnie. Donc, le livret d'instructions, le premier jeu qui n'avait pas un livret d'instructions, je me rappelle qu'il n'était pas si compliqué que ça, mais en même temps qu'il était quand même intéressant. Et ça, c'est intriguant. Des fois, il y a des extensions qui sortent là, comme ça, puis qui me redonnent vraiment beaucoup le goût de rejouer. Alors là, évidemment, c'est un gros livret d'extension. Un gros livret d'instruction. C'est un livret d'extension en même temps, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de modules. Puis comme d'habitude, comme dans tout bon module, des extensions avec des modules, j'imagine qu'on peut choisir ceux qu'on veut mettre. Et voilà, beaucoup, beaucoup de choses. On a les The rule of each expansion should be followed except when replaced by the change explained below. Alors, j'imagine quand on fait des combinaisons. Et ensuite, regardez, on a le solo Automa. Le solo Automa qui, on dit que le solo mode can only be played with the base game. Ok, on peut juste jouer au jeu de base avec l'Automa. Mais c'est pas bien, bien grave. C'est, j'espère de pouvoir vraiment essayer les extensions. Donc, voilà pour ce qui est du livret d'instructions. Et puis, voilà, fait qu'on a no parking area, une place pour mettre des ambulances. OK, ensuite on a ici, ça je pense que c'est pour les rondes, hein. Il y avait une façon de le faire dans le jeu. On voit qu'on a je pense que ça c'est pour le cinquième joueur, des éléments pour le cinquième joueur. Puis ça doit être l'extension de la maternité. On a d'autres... ça a l'air d'être encore des affaires de Kickstarter. Ah, c'est pour le cinquième joueur, ça. C'est le plateau, justement, pour le cinquième joueur. Donc, voilà. Fait que ça, c'est bien. Et là, on a probablement les éléments de l'extension en tant que tel. OK. Donc, on a le Baby Care Unit. Ensuite, on a... je pourrais pas vous dire c'est quoi exactement ça. Mais en tout cas, bon, bref... beaucoup de petits jetons. On voit qu'on a des
d'obstétrique ultrasonique. On a des 4D Scan Room, des Birthing Center. Et c'est un jeu qui est très ingénieux, un jeu de dés. Et on continue à voir ça ici. Peut-être que là, on a un autre module. Simulation Room. NMR Facilities, centrifuge. Plein de petits jetons. Plein de petits jetons. Ensuite de ça, ici, on semble avoir encore une fois d'autres nouvelles pièces. Alors, on a des Outpatient Day Room. Des Outpatient Day Room. Et qu'est-ce que ça donne exactement? Moi, ce que j'aimais beaucoup dans l'aspect artistique, c'était le fait qu'on avait vraiment comme des pièces normales, mais le patient, c'est véritablement un dé qu'on a ici. Souvent dans les endroits, donc ce sont des dés qu'on doit aider. Alors, on semble avoir des pots de pilules ici, ok, et voilà, donc ça c'est pour ce qui est du, comme on dit, ça semble être l'automa, ça va avec l'automa comme on peut voir, parce que c'est écrit dessus, mais c'est toute la même chose de ce côté-ci. Voilà, ah boy, ok, oh là 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 là, Wow, ça c'est... Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça? Des hélicoptères miniatures. Wow, tabarnouche. Ça c'est quelque chose. Donc, j'imagine que ça vient pour une des... je me souviens plus exactement. Mais, ok, ben voilà. Fait que très intriguant, peut-être. Peut-être un petit peu trop, comme on dit en bon français. Puis, on a des dés roses. On voit qu'on a des mini dés roses et on a des grands dés roses. Alors, je sais que c'est des nouveaux dés qu'on a dans le jeu. Ça doit être des dés pour l'ajout du cinquième joueur. Parce qu'on va avoir un certain nombre de dés selon le nombre de joueurs. Ensuite de ça, on a des nouveaux... Donc, des nouveaux infirmiers. De différentes couleurs, probablement encore une fois des nouveaux infirmiers pour le cinquième joueur et pour les nouvelles extensions. Ensuite, on a toujours en bois un peu normal. Là. Donc, est-ce que ce sont. C'est peut-être ça qu'on va rajouter, peut-être pour compter les points. Parce que je me souviens que les jetons de carton qu'on utilisait pour comptabiliser les points étaient peut-être un petit peu trop gros. Alors, je me dis que c'est ça, le base game, l'amélioration du base game. On a... Oh boy! Donc, on a ici un autre des roses. Probablement quand il y a des maternités. Peut-être pour savoir si on a des jumeaux ou un dé totalement normal, mais vraiment beaucoup de stock. Mesdames et messieurs, dans cette extension-là, en plus d'avoir ici de nouvelles cartes, alors on a ici le Scrub Nurse. Alors ça, c'est, si on se souvient bien comment ça marche, donc quand je fais une amélioration d'un dé rose, je peux donc l'augmenter de 2 de plus. Alors on en a beaucoup. Ça, c'était une affaire, par exemple, que je trouvais un peu plate de jeu-là. C'était le fait qu'il y a beaucoup des cartes qui reviennent souvent. Donc ça, quand on améliore un des roses, on peut en améliorer deux autres. Donc ça, c'est lorsqu'on améliore un des roses, on peut en améliorer un autre et un autre de la même valeur, mais de n'importe quelle couleur. Fait qu'on a pas mal toutes des... On voit que c'est vraiment pour aller avec le côté rose. On a le Family Physician. On a des nouveaux administrateurs. Alors, Jean Dubousset, Maternity Consultant. On a des Investment Advisor, comme on peut voir là, des Project Consultant, l'Hospital Strategist. Et là, on a le fameux Automa. Cool, très très cool. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ça va fonctionner, ce système d'automa là, mais on va le tester. Hein. Ça, c'est sûr que c'est ce qui m'a beaucoup attiré dans le jeu au départ. Puis ensuite, on a le Shift Change. Encore une fois, des cartes d'automa. OK. Et ça me semble être toutes des cartes d'automa encore. Fait que, ouais, ça c'est super. Donc ça doit être, ça rapporte probablement avec les choix
les choix qu'il va faire, effectivement, je pense que ça a rapport avec ça. Donc, est-ce qu'il va rajouter... parce que ça, c'est une erreur qu'on avait faite, je pense, dans notre partie à Stéphane et moi, c'est qu'on n'avait pas fait les... faut divulguer tout le temps des cartes ou des tuiles. Et c'était à la fin, c'était à la sixième phase qu'on devait le faire. Alors, vous voyez, c'est probablement qu'avec ça que les choix vont se faire. Donc, c'est très intriguant. Et là, on a des petits cardboard qui vont probablement former la ville parce qu'on a un des modules que c'est la ville et c'est vraiment des tuiles très épaisses qui sont recto verso, mais identiques par contre. Recto verso identiques, mais on va pouvoir former une ville. Puis là, ben, je pourrais pas vous dire exactement à quoi tout ça va servir, mais voilà! Voilà, c'est ce qu'il est. Ce qui va rester à... On va toujours regarder s'il y a des affaires ici, puis là, il n'y en a pas. Donc là, tout ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que tout ça va rentrer dans la boîte de base originale. J'en doute beaucoup, mais je peux vous dire que je ne ferai pas la vérification là, à ce moment-ci. Fait que voilà, c'était ma présentation de ce qu'il y avait à l'intérieur de l'extension Dice Hospital Community Care. Vraiment un excellent jeu Dice Hospital que je vous recommande vraiment beaucoup. Je ne sais pas s'il est sorti en français d'ailleurs. Ça, c'est une information qui m'échappe présentement, mais en tout cas, vous irez voir ma partie que j'ai faite avec Stéphane. C'est vraiment très intriguant comme jeu. Alors, abonnez-vous à la... Ouais, puis en même temps, attendez, je vais juste mettre ça ici parce que ça vaut la peine. Alors, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire, le Valet Cœur, au www.levalet.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon dans la description de la vidéo. Vous allez avoir toutes ces informations-là. Et d'ici la prochaine fois, bien, amusez-vous avec vos jeux de société. Et nous, on va se revoir très bientôt.